Envie de lecture avec Henri Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Archives de l'effroi, sous-titré Une histoire française chez Séléna Édition. On va en parler. Peut-être d'abord un petit mot sur vous, sur votre parcours. Alors, vous avez fait une thèse de philo, vous avez fait Sciences Po, vous êtes allé ensuite dans le monde de l'entreprise. C'est assez rare des philosophes dans le monde de l'entreprise, non? C'est pas forcément un bon point au début, mais parce qu'on est vu d'un œil un peu particulier. Mais finalement, ça se passe très bien. Il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Au bon moment. Vous êtes aussi passionné de culture. Vous avez présidé notamment les rencontres musicales de Noyer. On salue Anne Kefelec, je crois qu'il en sera l'invité de la prochaine édition. C'est notre invité, mais c'est notre marraine d'honneur. Absolument, qu'on aime beaucoup. Et puis, vous dirigez aussi une propriété vinicole. Alors, c'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel, sinon on aurait bu un verre de vin ensemble. C'est quel domaine, on peut le dire ? Je m'occupe d'une propriété familiale dans la région de Pomerol. D'accord, ah oui, c'est pas mal. Archives de l'effroi, c'est donc, si je ne fais pas d'erreur, c'est votre premier livre. Cette envie d'écrire a été peut-être contrariée par des multiples activités jusque-là? Effectivement, oui, j'ai toujours eu un goût pour l'écriture. D'ailleurs, ce livre n'est pas sorti de rien. En réalité, j'avais dans mes tiroirs un certain nombre de textes que j'avais écrits, mais il y a assez longtemps. Et puis, j'ai eu envie à un moment d'y revenir. Et en fait, le déclic, ça a été au moment où on a commencé à commémorer le centenaire de la guerre de 14. À ce moment-là, je me suis mis à relire ou lire les textes de Genevoix, notamment. Et je me suis dit, comment est-il possible que nos grands-parents aient pu survivre à une expérience aussi cataclysmique? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie un peu d'aller à leur rencontre et de faire cette enquête biographique. D'où ces archives de l'effroi. Vous êtes en effet aussi un passionné d'histoire. Alors, c'est vrai qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire qu'on nous raconte, qu'on nous transmet, et puis l'histoire que ceux qui nous ont précédés ont vécu. Est-ce qu'il s'agit de la même histoire ? Il s'agit de la même histoire, oui, dans la mesure où il s'agit du même imaginaire de la douleur. Mais plus précisément, j'ai voulu essayer de... En fait, nous vivons tous avec des archives, je dirais, mentales, des archives psychiques. Et cet imaginaire de la douleur, j'ai voulu aller voir à quoi il correspondait précisément chez moi. Chez moi, c'est-à-dire chez mes grands-parents. Et d'où cette enquête biographique, qui en réalité a été non seulement une enquête biographique, mais je dirais presque une quête, et presque une quête, j'ose dire le terme, un peu spirituelle. Puisque je me suis rendu compte qu'ils ont laissé en legs leur propre histoire et que... étant très généreux, ils m'ont proposé de me saisir de leur histoire. Et je pense que c'est parce que nous allons vers eux, vers leur histoire, qu'elle peut devenir éternellement la nôtre, la mienne en l'occurrence, pas uniquement par le simple hasard d'une généalogie. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est en effet une histoire familiale que vous racontez, mais en réalité c'est une histoire universelle. Et absolument, d'où le sous-titre d'ailleurs « Une histoire française », parce que ce qui m'a intéressé, moi, mon travail, ça a été moins l'anecdote qui concerne ma propre histoire familiale, qui n'a pas plus d'intérêt que l'anecdote de telle ou telle autre famille. C'est plutôt en quoi elle fait appel à quelque chose de plus universel et qui finalement a concerné l'ensemble des millions de familles qui ont vécu ces horribles guerres de Première, Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs, et c'est un peu votre travail, je vous cite, cette mystérieuse fidélité qui nous commande de leur redonner consistance ces ancêtres qui ont vécu ça. Justement, quand on parle de l'histoire, on va venir aux deux personnages principaux et des guerres qui les ont marquées. Est-ce qu'on a une sorte de dette envers ceux qui nous ont précédés? Oui, je le crois absolument. Je pense qu'on a tout à fait une dette. Et c'est précisément, nous sommes redevables de leur existence, et je pense que la moindre des choses que nous puissions faire à leur égard, c'est de leur, justement, de leur redonner consistance. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup vécu, et de façon intense, mais qui ont peu parlé. Et je pense que se retourner vers leur histoire et leur redonner la parole, c'est une façon de leur redonner la consistance qu'ils ont un peu fui quand ils étaient parmi nous, quand ils étaient vivants, parce que c'était une expérience tellement épouvantable. Ils en ont en réalité très peu parlé. Et je pense que nous avons au moins le devoir de leur redonner consistance, de leur
de les faire revivre. C'est très courant d'ailleurs cette impossibilité parfois, donc, enfin, cette volonté de ne pas parler. On le sait pour les gens qui sont revenus parfois des camps, mais c'est vrai aussi pour les gens qui ont vécu ces guerres. Il y a parfois une culpabilité d'avoir survécu à ces tragédies. Oui, absolument, c'est exactement ça. C'est une culpabilité d'avoir survécu. Et d'où le fait qu'en effet, ils en ont très peu parlé. Et en fait, ce qui a parlé pour eux, c'est leur existence. C'est le fait qu'après leur expérience, qui est une expérience anthropologique limite, au bord de la précarité la plus absolue, et en dépit de cela, ils ont réussi à se maintenir debout et à parcourir leur existence, sans rien demander à personne, mais avec la plus grande dignité. Alors, tout part de deux photos retrouvées. La première date de 1953, c'est celle d'Hippolyte. La deuxième, de 69, c'est celle de Paul. Qui sont Hippolyte et Paul ? Alors, Hippolyte et Paul, ce sont bien sûr deux personnages de fiction, mais ce sont surtout mes deux grands-parents, dont j'ai modifié les noms pour éviter tout malentendu de lecture au sein de ma famille, parce que ce sont eux, tout en étant un peu différents de ce qu'ils ont été. Parce que dans ce travail de recherche d'archives, j'ai retrouvé des choses, j'ai retrouvé des textes, des objets, mais ces archives ont été aussi assez largement lacunaires. Il m'a donc fallu imaginer ce qu'à tel ou tel moment ils ont pu faire, ils ont pu dire, ou ils ont pu la façon dont ils se sont comportés. Et donc, j'ai volontairement changé leur prénom, parce que ce ne sont pas exactement mes grands-parents, mais ce sont en même temps en grande partie mes grands-parents. Donc, il s'agit en réalité, avec Hippolyte et Paul, de mes deux grands-parents fantasmés, entre guillemets, Entre le récit et le roman, en réalité, hein, c'est ça ? Pardon, je n'ai pas compris. On est entre le récit et le roman. Voilà, on est absolument entre le récit et le roman. Mais la fiction a été... Il y a une part fictionnelle absolument indispensable, parce qu'autrement, les archives n'auraient pas pu revivre. Elles seraient restées un peu lettre morte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a eu besoin de la chair de la fiction pour les animer et pour redonner vie à leur existence. C'est très intéressant ce que vous racontez sur ces photos. Ce sont des photos qui ont été prises assez peu de temps pour chacun d'eux avant leur mort. Qu'est-ce qu'au fond nous disent les photos que les mots ne nous disent pas et qu'est-ce que les mots peuvent nous dire que les photos ne nous montrent pas ? Je dirais qu'une photo en soi peut apparaître assez neutre, mais en réalité, en fonction du moment où elle a été prise, et avec le changement de perspective, elle prend un tout autre sens. Il se trouve que ces deux photos ont été prises, alors qu'évidemment ils ne le savaient pas, quelques mois avant leur mort. Et c'est parce que nous savons qu'ils sont morts un peu après que nous les interprétons d'une façon tout à fait différente et qu'elles veulent dire que c'était des hommes qui étaient au seuil de l'expérience ultime, sans qu'ils les suivent à ce moment-là, et ça nous permet de les voir d'un tout autre œil. Alors, vous l'écrivez, quand on parle de la guerre... On parle de statistiques, on parle de milliers de morts ou de millions de morts, de dates, de personnalités. Mais je vous cite, les visages déglingués des survivants opposent des formes concrètes à la réalité massive de la guerre. Et c'est ça qui fait le cœur de votre livre. Est-ce qu'on les regarde au fond ou est-ce qu'on les repousse parfois, ces visages déglingués ? Je pense que... on peut les regarder avec le recul parce que il y a une espèce de distance, un peu de pudeur qui nous permet de les regarder, mais je pense qu'au moment même où ils revenaient de la guerre, c'était des réalités assez épouvantables et un certain nombre d'entre eux ont été l'objet de rejets de la part de leur famille. C'est d'ailleurs l'une des histoires dont je parle, c'est le voyageur sans visage et le voyageur sans bagage, c'était une pièce de Hanouille qui, à l'époque, parlait de ces revenants de la guerre, qui n'étaient plus reconnus par aucune de leurs familles. Ils sont tous les deux, Hippolyte et Paul, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Paul, de cette génération qui a connu deux guerres. Et d'ailleurs, Hippolyte, quand il s'aperçoit que la deuxième guerre va démarrer, celle de 40, qu'elle est inéluctable, et il vous dit qu'il est mutique au départ. Hein. Est-ce qu'il y a une désespérance au fond chez ces gens-là et on pourrait l'être à moins d'être désespéré de la nature humaine quand on a vécu, comme vous dites, cet effroi. Enfin,
En réalité, ils ont eu, ce sont des gens qui ont eu des doutes, qui ont à un moment failli désespérer de l'humanité. Effectivement, l'un quand il a failli se faire, quand il s'est fait trahir par son camarade, et l'autre quand il a compris que la deuxième guerre mondiale allait arriver. D'où son mutisme. Mais en même temps, ce sont des gens qui avaient une telle force interne que, après ces épreuves effroyables, ils ont réussi à continuer leur trajectoire existentielle, je dirais. Et c'est en ceci qu'à mon sens, ils sont admirables. Paul, par exemple, va devenir, enfin, qui est médecin, va aussi devenir résistant pendant la Deuxième Guerre. Hein, donc, ils vont avoir un rôle. Enfin, résistant, d'ailleurs, c'est un peu de la résistance passive au début, parce que c'est essentiellement un médecin, et donc il soigne ceux de tous bords, sans vous demander de quel côté il penche. Mais effectivement, ce sont des gens qui sont rivés à leur devoir en réalité. Ce sont des gens qui avaient un devoir vis-à-vis d'eux-mêmes et un devoir vis-à-vis des autres. Ils ont rempli, quoi que cela ait pu leur coûter. Et puis il y a d'autres personnages, alors on n'a pas le temps d'en parler, comme Hector, qui est un peu le dépositaire des souvenirs hein, de ses grands-parents, au fond, qui est peut-être un peu vous, d'ailleurs, je ne sais pas. Oui. Vous voulez dire le narrateur. Oui, le narrateur, oui. Oui, le narrateur, effectivement, c'est un petit peu moi, tout à fait. Enfin, c'est moi sans être exactement moi, parce que oui. il y a une part fictionnelle, mais en effet, je me suis mis dans la peau du narrateur, donc du personnage qui a connu ses grands-pères. Ça pose toujours, enfin, ce formidable récit, au fond, c'est cette même question, c'est de savoir si l'histoire est toujours une histoire passée, une histoire qui ne s'écrira plus, ou au contraire, si, et peut-être le fait de la raconter nous montre qu'elle est importante, qu'il faut peut-être la connaître mieux. Ben, je crois qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir s'en souvenir. C'est un peu une ode à la mémoire et au refus de l'oubli, ce livre. Parce que c'est une histoire qui a été écrite en lettres de sang, et il nous appartient à chacun d'entre nous qu'une nouvelle histoire ne soit pas à nouveau écrite en lettres de sang, si nous savons nous souvenir de ce qu'a été leur expérience à eux. Merci beaucoup, Henri Descola. Donc voilà, il faut absolument lire Archives de l'effroi, une histoire française. C'est aux éditions Séléna. Et ça nous replonge évidemment dans cette tragédie de l'histoire. Et au fond, de façon très, très présente par le récit et par la vie de ceux qui ont vécu cet effroi-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.